Voici un plan de la maison de John et Rosette. Oh, wow. Et cette poivrière, c'est Rosette. Pendant qu'il sera dans la salle de bain, nous nous rassemblerons dehors à exactement 12h11. Mais c'est quand 12h11? Wow. Lorsque votre montre indiquera 12h11. Notre montre indiquera? Oh, attendez. Vous ne savez pas lire l'heure, n'est-ce pas? Non! Eh bien, Wawa peut vous apprendre. Il a son badge lire l'heure. Oh, wouf! Vous voyez, sur une montre, les gros chiffres de 1 à 12 sont les heures de la journée. Et les petits chiffres sont les minutes de chaque heure. C'est quoi ces petites flèches? On les appelle les aiguilles. La petite aiguille, c'est celle qui nous indique l'heure qu'il est. Midi! Et la grande aiguille nous indique les minutes. 10! Ouf! Vous avez tout compris! Maintenant, écoutez très attentivement. À 12h10, nous serons tous devant la maison de John, le nez sur nos montres. Est-ce que tout le monde se souvient du plan? Oui! Quand il sera exactement 12h15, Rosette sera dans la salle de bain. Et John nous fera entrer Nini et moi dans la maison. On passera discrètement dans le couloir avec les décorations. À 12h29, pendant que Rosette mangera bruyamment ses céréales, j'installerai los homardos dans le salon. Ensuite, à 12h45 précise, Rouli sonnera à la porte. Je serai déguisée. Vous avez un colis. Pendant ce temps, j'entrerai par la fenêtre pour installer la nourriture discrètement dans la cuisine. Tu seras suivi d'un wawa silencieux. Oh, wow. Maintenant, essaie de sentir cette lavande Tag. Elle a une odeur de fleurs. Wow. Respire profondément. Quelle odeur a la lavande à présent? Une odeur délicate et très douce. C'est comme si je flottais autour d'une montagne paisible et brumeuse. Ah! Ah, le cake à la banane fait maison de Wawa. Mmh. Quel goût a-t-il, Nini? Oui, il est pas mal. Hein? Goûte-en un autre morceau. Et savoure-le vraiment. Quel goût a-t-il à présent? Là, je sens un goût de banane sucrée, un petit goût de noix, de beurre crémeux et de cannelle. Excellent sens du goût, Nini. Qu'est-ce que tu entends, Rouli? Rien du tout. Oh, ouf! Et si tu écoutais avec beaucoup d'attention? Oui, j'entends toutes ces feuilles qui parlent. Maintenant, j'entends des petites bulles et le battement d'ailes minuscules. Oh, on pourrait avoir un peu de silence par ici. Désolé. Très bon sens de Louis, Rouli. On adore jouer avec nos cinq sens. Il n'y en a pas d'autres? Eh bien, il existe un sixième sens que Wawa a développé après avoir parfaitement maîtrisé les cinq autres. Il s'appelle le sens Wawa et il lui permet de vous protéger. Ah! Wow! Oh, wouf, wouf. Tu as raison, Wawa. Cela ressemble à une rupture sismique de grande magnitude. Peu importe ce que c'était, c'est la meilleure chose qui nous soit jamais arrivée. En effet, qui voudrait partager un rocher avec ces nazes? Ils se prennent pour les meilleurs avec leurs poires soi-disant juteuses. Oh, comme si leurs noisettes étaient les plus brillantes du monde. Vous n'en avez pas marre de vous crier dessus tout le temps? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre? Vous pourriez recuisiner du blurgen. C'est vrai que ce serait sympa de manger autre chose que des noisettes. Il paraît que cette soupe a le goût du premier jour d'été. Mais comment on va la faire? On est trop loin les uns des autres. Il faut qu'on arrive à les rapprocher. Il faut que nous... Oh, qu'on construise des ponts. Ou alors un seul. Exactement. Et Wawa peut vous aider. Oh, wouf.
Il a son badge pont. Oui! C'est fini! Et maintenant, les gerbilles peuvent se retrouver au milieu. Salutations! Nous souhaitons vous offrir ces noisettes brillantes pour enterrer la hache de guerre. Que nos poires goûteuses et juteuses enrichissent votre vie pour toujours. Alors, et maintenant? Blurgan pour tout le monde? Ouais! Blurgan pour tout le monde! Maintenant, vous pourriez peut-être trouver le contraire d'autre chose. Oui! Verre plein. Verre vide. Ouvert. Bonjour. Fermé. Au revoir. Oh, ouais. Oh, en bas. Dessus, dessous, dessus, dessous, dessus, dessous, dessus. Départ. Arrivé, j'ai gagné, j'ai gagné. Et moi, j'ai perdu. Le jeu des contraires, c'est génial! Oui! Vous imaginez si on vivait dans un monde de contraires? Ouf! Dans ce cas, la gauche serait la droite. Waouh! Et alors, est-ce que le bas serait le haut? Ouf! Wow! Mais alors, ça veut dire que le haut serait... le bas? Hein? Qui est dur devient mot. Alors, quel est le contraire de petit? Grand. Waouh! Ça veut dire que les grands sont petits. Ouf! Je vais bien prendre soin de toi, Wawa. Un wakalin. Oh. Bonjour les petits loups. Qu'est-ce que vous faites? On est en train de compter les badges de Wawa. 5, 6, 7, 1. C'est quoi ce badge? Ça, c'est le badge compté jusqu'à 100. Wawa l'a obtenu en comptant jusqu'à 100. Il compte jusqu'à 100? Ouf! Mais enfin, c'est impossible! Oh, ouf! C'est difficile, les petits loups, mais pas impossible si vous savez compter jusqu'à 10. Moi, je sais! Alors, compter jusqu'à 100, c'est simplement compter jusqu'à 10 10 fois. C'est vrai? Ouf! Alors, on peut essayer? Oui, commençons par compter jusqu'à 10. Mais qu'est-ce qu'on peut compter? Tout ce qui vous entoure. 1! Bon début, Tag! 2, 3, 4, 5, 6 et 7, 8, 9, 10. On a réussi. On a compté jusqu'à 10. Ouf. Maintenant, vous comptez la prochaine dizaine, de 10 à 20 cette fois. Mais on a compté tout ce qu'il y a ici. Alors, direction... Ouf. La cuisine. Après 10, c'est 11. 12. Ah, là, ça commence à se compliquer. C'est normal, réfléchis bien. Oh, ouf, ouf. Oh oui, c'est 13. 14. Ensuite, 15. Et 16. 17, 17. 18. 19. Et 20. Excellent. À présent, vous êtes dans les 20. Pourtant... je pensais que je m'étais bien caché. Non. Vous allez découvrir qu'il n'y en avait qu'un seul qui était bien caché. Moi. Mais qui a parlé? C'est l'arbre? Eh non. C'est moi qui ai parlé. Je me présente, Kamel le caméléon. Mais tu as changé de couleur? Oui. Comment tu as fait ça? C'est grâce à mon camouflage naturel. C'est quoi un camouflage? Oh, ouf, ouf. Exact, le gros chien a raison.
Le camouflage est une technique qui me permet de me fondre dans le décor, ce qui me rend très difficile à voir. Vous voyez ? Eh non, vous ne voyez rien parce que je suis camouflé. C'est incroyable ! Tu peux prendre de couleurs différentes ? Oui. Waouh ! Et trois couleurs ? Bien évidemment. Et quatre couleurs ? Vous doutez de mes talents ? Cinq ? Un jeu d'enfant. Six ? Les doigts dans le nez. Sept ? Voilà. Huit ? Bien sûr, aucun problème. Neuf ! Fastoche. Dix ? Je n'ai jamais essayé avec 10 couleurs, mais je vais relever le défi. Ce défi est à la hauteur du pull d'anniversaire de Wawa. Oui. Hein? Oh non, trop de couleurs à la fois. Trop de couleurs. Le camouflage de Kamel ne fonctionne plus. Et voilà, maman m'a toujours dit de ne pas frimer devant les autres. Peut-être qu'on peut essayer de le réparer, non? Mais comment? On n'a qu'à l'éteindre et le redémarrer. Hein? Je pense que Wawa peut vous aider. Il a son badge camouflage. Je vous explique, ça c'est pas marché. Réglez les monteurs, toujours garder un pied à terre. Yeah! Regardez-moi, j'ai mes bras bien en bas. Yeah! Et mes pieds sont en contrebas. On s'incline et on penche. On dodeline. Vous devez aller un pied. Chez les petits loups, il ne faudrait pas que quelqu'un tombe. Mince alors. Mais chérie, un peu plus d'élégance. Il faut flâner pour être raffinée. Quand je marche, la route m'appartient. Sauvage, du soir au matin. Je suis très élégante, tellement stylée. Vous ne savez pas quoi faire? Défilez, glissez. Allez-y, pas à pas. Un pied, juste devant l'eau. De façon de marcher. En effet, et vous n'avez pas tout vu, il y en a d'autres. Vous pouvez marcher d'un pas lourd. Un pas lourd. Prends la pointe de tout. Pointe des pieds. Ça fait comme nous. Sauter. Traîner des pieds. Traîner des pieds. Tourner en rond. On défile comme nous. On défile. On saute. Piétine. On flâne. On s'incline. On trappe. Pas de côté. En bas. Journée d'inauguration riche en événements au clubhouse des petits loups pour ce championnat de golf loufoque. Il y a des difficultés dès le début. Avec le trou de Nini. Les créatures loufoques. Qui pose son lot de problèmes aux golfeurs. Wawa se fait avaler sa balle. Youpi trouve le terrain un peu glissant. Mais après quelques ratés, non. Tag finit par surpasser ses adversaires au dernier pote. Oui. Nous passons au trou de Betty. Le vortex complexe. Qui augmente le niveau de difficulté d'une manière abracadabrante avec sa machine à laver à particules subatomiques. Son microscope moléculaire. Waouh! Jusqu'à ce que Nini frappe un coup spectaculaire. Et gagne ce deuxième trou. Oh. Puis on arrive au trou de Tag. Le super pas juste! Ça, c'est un drôle de nom, Wawa. Oh. Pas juste!
pour de nombreux golfeurs. Mais contre toute attente, Youpi garde son calme et entre la balle au 57e coup. Oui! Oh, ouf, ouf, ouf! La détective Toutou est très douée pour trouver des indices. Oui, elle a trouvé une empreinte bleue. Et ça, c'est un bon indice, Wawa. Ouf! Absolument, chacun d'entre nous a une empreinte unique. Alors, si la détective Toutou trouve à qui appartient cette empreinte, elle trouvera... qui a été très vilain! Oh, ouf, 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 ouf! Peut-être est-ce l'ennemi juré de la détective Toutou. Coquille, la tortue? Ou Mouchard, la mouche? Ou alors Félina, le chat cambrioleur? Regardez, la détective Toutou a trouvé le coupable! C'est qui? C'est qui? C'est qui? Eh bien, dans la BD, il est écrit... ouf, ouf! À suivre. Ah! Histoire à suivre dans le prochain numéro. Oh, ouf! Quoi? Il n'y en aura pas? Ah, ouf, ouf! Les bandes dessinées Détective Toutou n'existent plus? Pourquoi? Parce que les goûts des lecteurs ont changé. Les gens en ont eu assez des histoires d'enquête. Ils ont voulu des BD avec plus d'action. Des histoires plus fantastiques, plus futuristes et plus... haute en couleurs. Mais nous, on aimerait vraiment savoir qui a volé le superbe collier. Ouf, ouf, ouf! Excellente idée, Wawa. Vous pourriez peut-être terminer l'histoire vous-même. Mais comment on écrit une bande dessinée? Ah, Wawa pourrait vous apprendre parce qu'il a son... badge bande dessinée. Oui! Ouf! Pour terminer la BD Détective Toutou, ouf, ouf, il faut d'abord se demander qui a volé le collier. Pour commencer, choisissez votre disque. Jouez la musique. Et ensuite, enregistrez-la sur votre cassette. Une fois que la chanson est terminée, choisissez un autre disque. Qui vous fait penser à quelqu'un ou à quelque chose? Parce que les meilleures compilations de cassettes sont celles que l'on fait pour quelqu'un qu'on aime. Et n'oubliez pas de décorer le boîtier de votre cassette. Salut Wawa! On t'a fait une nouvelle cassette! Une compilation rien que pour toi! Ça, c'est le morceau que j'ai choisi pour ta compilation. Parce qu'il m'a rappelé le jour où on a eu notre badge arrosage. Il y avait de l'eau partout, partout, même sur moi. C'était vraiment trop amusant. Ah, c'est moi qui ai choisi cette chanson. Parce qu'elle m'a rappelé le jour où nous avons eu notre badge creusé. On a creusé sous terre pendant des heures. Et on a mis tellement longtemps à rentrer à la maison. Oui, la journée avait été très longue. Cette chanson m'a rappelé le jour où on a eu notre... C'est son activité préférée. Ça veut dire quoi, préférée? Heureusement que Wawa a son badge préféré. Oh, ouf! Il nous a expliqué ce que ça voulait dire. Wawa est très fort pour nous expliquer les choses. Ouf, 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 ouf. Quand on a une chose préférée, ça veut dire qu'on aime cette chose beaucoup plus que tout le reste. Ouf, ouf, ouf.
Ouf. On a tous quelque chose qu'on préfère aux autres choses. Alors c'est quoi ta chose préférée, Tag? Je ne sais pas trop. J'aime beaucoup de choses, c'est dur de choisir. Alors? Wawa a eu une idée! Il nous a dit que pour nous aider à choisir, on devrait aller demander à tous les animaux quelle est la chose qu'ils préfèrent. Alors on a demandé. Test micro 1, 2, 1, 2! Ça fonctionne, ça fonctionne! Quelle est la chose que je préfère? C'est une grande question, mon pote. Tu crois que je dois lui repoudrer le museau? Action! Oups, j'ai rien dit. La paix. Ouais, la paix, c'est la chose que je préfère, mon pote. J'étais sûre qu'il allait dire les carottes. Quelle est la chose que je préfère? Mais quelle question! C'est Rosette! Quelle est ma chose préférée? Il va falloir que je réfléchisse à la question. Je préfère les ordres clairs et les soldats obéissants. En avant, marche! Qu'est-ce que je préfère? Ça va le volume pour tes oreilles? Oui. La musique des années 90! Si vous voulez quelque chose, faites-le pousser vous-même. Pommes de terre. Avec des extraits de patates. Ouf! Bravo! C'est patateux. Oh, en effet, c'est très terreux. Oh, maintenant le mien. Il s'appelle vous. Ne soyez pas celle qu'ils attendent. Ne soyez pas celle qu'ils veulent. Ne soyez pas celle qu'ils imaginent. Ne soyez personne d'autre que vous. Essaye-le, Wawa. Ouf. Oui, qu'est-ce qu'il y a dedans, Nini? Du miel, des œillets verts et des coques de noisettes. Qu'en penses-tu, Wawa? Ouf. Oui, une fragrance de femme puissante. Eh ben moi, je fais ce parfum. De l'eau. De l'eau. Aquatique. Je ne l'ai fait qu'avec de l'eau. Je vois, c'est très liquide. Le mien s'appelle Cool Attitude, le parfum des rhinos qui aiment s'amuser. Ne vous contentez pas d'être cool. Oh, salut. Salut toi. Soyez hyper cool. Vivez votre meilleure vie. Cool Attitude par moi. Tu me passes la sauce myrtille, s'il te plaît? Trois choses. Oh, oh, c'est formidable, Minette! La magie de Noël se trouve dans tous ces petits détails. La musique. Non, je te passe. Non, je t'aime. Miam! Les chapeaux! Miam! Les pétards! Le repas! Les amis. Et même... Oh, les patates. Wawa l'a trouvé. Voilà ce que j'appelle la magie et l'esprit de Noël. Comment ai-je fait pour oublier cette joie, Minette? Merci à vous, merci tout le monde d'avoir partagé vos traditions avec moi. Vous m'avez rappelé ce qu'était l'esprit de Noël. Oh, regardez l'heure, mes amis. Il faut que je m'en aille. J'ai des tas de choses à faire, moi. Oh, merci d'être venu, Nicolas. Oh, merci à vous, les petits loups. Oh là là. Oh, oh, oh. Hein? Est-ce que Nicolas, c'est le père... Qui veut un cadeau? Moi! Bien joué, les petits loups!
vous avez mérité votre badge Magie de Noël. Oui. Ah, et voilà vos parents. Il vous reste juste le temps pour une dernière chose. Ah, ouais, ouais, câlin. Oh. Ouais, câlin. On a eu notre badge Magie de Noël. Oh, ouf, ouf. Wawa peut te préparer tout ce que tu veux, Tag. Oh, eh ben, mon papa me prépare des céréales tous les matins. Exactement comme je les aime. Jusqu'ici, s'il te plaît. Non, encore un peu plus. Un petit peu plus. Encore un peu plus. Encore un peu. Un peu plus. Plus, plus, plus. Voilà. Encore, s'il te plaît. Un petit peu plus. Encore un peu plus. Encore. Plus, plus, plus. Les céréales, ça me donne plein d'énergie. Vous voyez? Je mange des crêpes pour le petit déjeuner. Je raffole des crêpes. Ma maman mélange du lait avec des œufs et de la farine. Puis elle verse le tout dans une poêle et elle fait cuire. Mon moment préféré, c'est quand elle fait sauter la crêpe. Très, très haut. Et ben, mon grand-père nous pêche des harengs pour le petit déjeuner. De très gros harengs. Waouh. Les harengs ne sont-ils pas de tout petits poissons, Rouli? Si. Ouf. Mon papa nous prépare une shakshuka. Ça a l'air bon. Oui. Il y a des tomates, des piments rouges et des poivrons rouges. Avec des œufs sur le dessus. Tous les œufs des poules. Ça a l'air très sain. Oui. Ça rend mes frères et sœurs très agités. Ils sautent partout. Shakshuka. Si vous mangez tous les œufs des poules, il n'en restera plus pour elles. Mais les poules ne mangent pas d'œufs, youpi! Qu'est-ce que les poules mangent au petit déjeuner? Oh, ouf! Elles mangent des grains. Ça ne doit pas être bon, les grains. Oh, pourtant, elles adorent. Nous pouvons examiner Minette de plus près en montant dans le bus de la biologie. Hé, grimpez, les petits loups! Oui! Maintenant, nous allons mettre le bus de la biologie en mode... miniature. Waouh! On est minuscule. Oh, oh! Oui, vous êtes suffisamment petit pour aller découvrir ce qui fait tousser Minette comme si elle avait un chat dans la gorge. Alors regardez droit devant vous. C'est le cerveau de Minette. Quand elle ressent quelque chose, les synapses dans son cerveau s'activent. Waouh! Si l'on en croit toute cette activité cognitive, Minette fait certainement quelque chose de très compliqué. On est où maintenant? Nous passons entre les deux yeux de Minette. Ouh. Les chats ont une vue très précise pour chasser leur proie. Ils ont aussi des récepteurs olfactifs pour sentir les choses. Et bien sûr, des cordes vocales pour ronronner. Il fait tout noir ici. Oh, ouf! Berk, c'est quoi ces trucs? Des cellules de sang. Elles sont un peu... dégoûtantes. Elles sont un peu visqueuses, mais ces cellules font circuler l'oxygène dans le corps de Minette. Oui! Une fois que son cœur les a expulsés. Et quand Minette s'agite, son cœur se met à battre de plus en plus vite. Ce qui veut dire que ses poumons doivent travailler dur pour lui apporter plus d'oxygène dans le corps. Maintenant, elle reprend sa respiration. Dis, on ne serait pas allé un peu trop au nord, Wawa? Ah, donc on doit juste se diriger un petit peu plus vers l'est. Mais c'est par où l'est? Il n'y a aucun arbre pour nous le dire. Vous savez, les petits loups, les animaux aussi peuvent vous aider à trouver une direction. Les animaux comme... les poissons sauteurs migrateurs. Excusez-moi, les poissons. Où est-ce que vous allez? On va à une fête surprise. C'est plutôt un concert de jazz. Une jam session de reggae. En fait, c'est un mix de techno live.
Mais ce sera où? Direction Est, bien sûr. C'est là que sont les meilleures fêtes, ma chérie. Oh, alors l'Est, c'est par là. Oh. Oui. Un peu trop à l'Est, Wawa? Ouf, ouf. Bien sûr, il faut juste se diriger un peu plus vers le sud maintenant. Oui, mais c'est par où le sud? Un âne. Hein? Un homard. Non, moi je suis un crocodile. Non, pas toi, les nuages qui sont emportés par le vent du sud. Vous voyez, celui-là ressemble à un tracteur. Moi, je vois plutôt une limace. Une limace avec un chapeau. Mais si les nuages vont direction sud, alors il faut qu'on les suive. Oh. Cookie. Mais il ne ressemble pas du tout à un cookie. Oh, cette fois on est allé trop au sud. Oh, ouf. Oui, on a poussé un petit peu trop loin, en effet. Comment on va retrouver notre chemin dans la nuit? Oh, ouf, ouf. En regardant les étoiles. Écoutez, les petits loups, vous allez tous utiliser des cisailles et il faudra faire très attention. Alors, quelles sont les règles de sécurité à respecter? Toujours tenir les cisailles par la poignée. Très bien, Betty. Garder les cisailles fermées quand on ne les utilise pas? Exact. Les tenir la tête en bas. Bien vu, Tag. Ne pas courir avec. Oui, c'est très important, Rudy. Il faut qu'on mette un casque. Je crois que si on suit bien les autres règles, on n'en aura pas besoin, Youpi. Ouf, ouf. Alors, on sort ces cisailles et ces arbustes. Vous pouvez commencer doucement avec de tout petits coups de cisailles. Prenez votre temps et vous arriverez peut-être à sculpter une boule aussi jolie que celle de Wawa. Oh, ouf. On ne peut sculpter que des boules, alors? Oh non! Vous pouvez tailler des tas de formes différentes. Ouh! On a fini! Oh. Moi, j'ai taillé un carré! Et moi, j'ai fait un ovale! J'ai taillé un triangle! Étoile! J'ai fait un octadécagone. C'est une forme qui a 18 côtés. Dis donc, les petits loups ont un talent inné pour la sculpture végétale, Wawa. Ouf! On va sculpter encore plus. Oui! Je crois que j'ai trouvé l'arbuste idéal. Plus c'est petit, plus c'est joli. Qu'est-ce que je peux bien faire de toi? Ouais! Oh! Sculpter un pan. Un ours en peluche. Un robinet. Un robinet qui fait couler de l'eau. Une voiture. J'ai taillé une grosse patate. Oh non, on dirait que vous avez planté votre tente sur le repas des moutons. Non. Mais alors, où est-ce qu'on va planter notre tente à la fin? Ouf. Wawa a une idée. Ah, enfin, vous voilà confortablement installé dans votre tente. Oui, moi j'aime beaucoup le camping. Moi aussi. Mais je n'arriverai pas à dormir sans Sergent Boom. Ouf, ouf. Mon petit Boom. Je pourrais avoir un verre d'eau s'il te plaît, Wawa. Oups, j'ai renversé de l'eau. Oui, sur moi. J'ai besoin d'une serviette, Wawa. Oh, ouf. Oh, Rulli, tu t'es glissé dans mon duvet. C'est peut-être toi qui es dans le mien. Oh, ouf. C'est la serviette de Tag, celle-là, Wawa. Où est Zaza? Oh, ouf. Wawa, j'ai laissé Zaza dehors. Oh. Ouf. Ma Zaza. Wawa, je viens de me rendre compte que mon pyjama était mouillé. Ouf. Je peux avoir une autre couverture. Et des chaussettes. Je voudrais un autre verre d'eau. Désolée, je voulais dire un verre de lait. Je peux avoir ma lampe de poche et un livre pour s'endormir. Des pantoufles.
veilleuse. Un oreiller. Un réveil. Un pyjama. Une patate. Oh, ouf. Ouf. Ah, enfin endormi. Zaza demande, est-ce que tu aimes camper, Sergent Boom? Oui, il faut être robuste pour vivre en pleine nature, Zaza. Enfin, tout le monde n'est pas endormi. Oh, vous avez entendu ce bruit? Non, quel bruit? Oh, celui-ci, je n'aime pas du tout ça. Ne t'inquiète pas, Tag, ce sont sûrement des fourmis qui mangent des chips. C'est un monstre, je vous dis. Mais non, c'est une souris qui déballe un cadeau. C'est un monstre. Non, c'est un bouc qui mange un bouquin. C'est un monstre. Non, c'est un... Wawa! On va se servir d'un tracteur. Oh, ouf! Wow! Ouf, 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 ouf. Youhou! Ouais! Hein? Oh là là! Tu sais réparer un tracteur? Oh! Wouf! J'ai l'impression que les animaux ont envie de faire la récolte aussi. Wawa, on peut cueillir d'autres fruits et légumes? Oui, en attendant. Oh, wouf! Oui! Oh. Oh. Tu viens de dire bâton. Oh, regardez, regardez. Vous voyez ce que j'ai trouvé? Un bâton. Tu n'es pas le seul, Rouli. On est tous en train de ramasser des bâtons. Oui, mais pas comme le mien. Il est très spécial. Bâton. Bâton. C'est un bâton absolument incroyable. Oh, ouf. Ouf, ouf, ouf. Ce n'est pas un bâton, les petits loups. C'est un phasme-bâton, un insecte. Bâton! Il ressemble à un bâton, pourtant. Bâton! Et il a l'odeur d'un bâton. Bâton! Il a aussi le goût d'un bâton. Bâton! Voyez-vous, si un phasme-bâton a peur de quelque chose et cherche à se cacher, il peut prendre l'apparence d'un bâton ordinaire. Wow!
Bâton. 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 Et voilà vos parents. Juste à temps pour le feu de camp. Wouf! Wawa! C'est quoi ça? Oh! Wouf! Wouf! Wow! C'est un fossile. Excusez-moi, c'est quoi un fossile? C'est une grande question, Rouli. Mais Wawa va tout expliquer. Wouf! Parce qu'il a son badge fossile. Ouf, 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 ouf. En effet, les fossiles sont apparus il y a très longtemps. À l'époque où des créatures primitives peuplaient la Terre. Hein? Ouf, ouf. Oh, pardon, Wawa, tu as raison. Nous devrions remonter encore plus loin. À l'époque où les seules créatures vivantes habitaient dans la mer. Oh, quel bonheur de se promener au bord de mer! Il arrivait qu'il se produise des phénomènes incroyables, comme des tempêtes de neige. Des éruptions volcaniques. Ou encore des grandes tempêtes de sable. Ainsi, cette créature restait enfouie. Pendant très, très longtemps. Bah mince alors. Alors ça, avant, c'était une petite créature? Ouf! Ça veut dire qu'elle est très vieille. Eh oui, Rouli, elle est très, très vieille. Il faut des millions d'années pour qu'une telle créature se transforme en fossile. Oh. On a déterré un fossile? Ouf! Ouh! Il en existe d'autres ailleurs? Oh, bien sûr que oui, Nini. Les fossiles se forment à partir de n'importe quelle créature ayant vécu il y a très, très longtemps. À partir de celles qui vivaient dans la mer. Ou de celles qui sortaient de la mer. À partir de petites créatures qui volaient. Ou de grosses créatures qui marchaient. Des grosses créatures qui marchaient? Tu ne serais pas en train de parler des dinosaures? Si, Betty. Les dinosaures étaient des créatures de toutes formes et de toutes tailles. Un peu comme nous, quoi. Regardez, voilà un bétisaure. Et ça, c'est un ninitactyle. Un tyrannorulirex. Oh! Un tricétactops. Un yuppigator. Plouf, plouf. Ouvrir la porte. Impressionnant! Regarde! Ici, c'est notre planche de plancher qui grince! Hein? Les autres planches grincent aussi? Non! Voici le robinet! C'est carrément magique! Oui! Ça prend tant de sauts sur vos vies! Tu veux en voir encore plus? Oui! Emmenez-moi en visite! Oui! Elle, c'est Minette! C'est une chatte. Oh, elle est si jolie. Et elle, ce sont les poules. Ça, c'est notre seau à eau. Ça, c'est une fenêtre. Et là, c'est le toit. Ouf! Oh, faites attention là-haut, les petits loups. Et lui, c'est un oiseau. On ne sait pas pourquoi il aime rester sur le toit, mais il adore ça. C'est trop rigolo. Hein? On te présente Grenouille. Et qu'est-ce qu'elle fait comme son? Elle fait... C'est extraordinaire. Stéphane. Hein?
Regarde, regarde. Oh, sois prudent, Rouli. Ouf. Mon vélo. Tu m'as l'air d'un cycliste bien entraîné, Rouli. Ça, c'est notre ballon. Que c'est amusant. Voici la précieuse porcelaine de Wawa. Oh. Quoi d'autre? Lumière. Le linge propre. En plus, ça sent bon. Verre de terre. Batterie. Nuage. Échelle. Fenêtre. Yo-yo. Poisson. Livre. Gâteau. Délicieux. Chapeau. Lampe. Araignée. Voix. Chaise. Toboggan. Et voilà, tu as tout vu. C'était une visite d'idée exceptionnelle. J'ai vraiment l'impression de connaître cet endroit. Les robinets, les chaussettes, le ballon dégonflé, tout était si fascinant. Ouah, ouah, les petits loups ont très, très bien travaillé. Oh, oh, j'aime beaucoup ta nouvelle tondeuse à gazon, ouah, ouah. Oh, ouf. Ouf, ouf. Quand il danse. Bonjour, Wawa. Qu'est-ce que tu fais? Ouf, ouf. Tu as quelque chose sur la tête. Hein? Oh. Oh là là, salut la compagnie, ça roule. Je m'appelle Billy, je vais vous faire danser. Il fait vraiment danser. Comment se fait-il que tu sois dans notre jardin, Billy? Je vais vous le dire, les petits loups. Je suis venu jouer de la musique pour le grand bal. Oh, ah, voici venir mon groupe. Il va m'accompagner. Les petits loups, je vous présente les membres du groupe. Nous avons Dilly, Illy, Jilly, Emily. Et tous ensemble, nous sommes Billy et sa compagnie. Oh, ça y est, vous vous mettez à danser. Oh, attendez une minute. Hé, hey, la compagnie, où est l'équipement pour le grand bal? Billy, où sont les lumières? Billy, où sont les rafraîchissements? Jilly, tu devais t'occuper de la scène. Milly, où diable sont les toilettes mobiles? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Notre public va arriver et nous n'avons ni scène ni rien du tout. Oh non! Alors, pas de grand bal? Ne vous inquiétez pas. Oh, ouf! Wawa sait quoi faire. Il a son badge grand bal. Ah bah pourquoi vous l'avez pas dit plus tôt? Yee-ha! Wouf! Tag, tu t'occupes des lumières. Wouf, wouf! Nini, tu es la préposée au décor. Wouf! Youpi, les rafraîchissements. De l'eau! Wouf, wouf! Rolly, Betty, allez monter la scène, s'il vous plaît. On pourrait savoir ce que toi tu vas faire, Wawa? Wouf, wouf! Wawa va tondre la pelouse. Oh! De l'eau! Ah. Plouf, plouf, plouf! Oh, ces biscuits contiennent beaucoup de sel. Plouf, 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 plouf! J'adore faire des ploufs, youpi! Moi aussi, je le fais tout le temps. Oui! Oui. Chercher. D'accord.
coucher de soleil pour une merveilleuse journée. N'est-ce pas formidable que tout le monde se soit fait de nouveaux amis? Bien joué, tout le monde! Vous avez mérité votre badge, nouveaux amis! Oui! Ah, et voilà vos parents! Il vous reste juste le temps pour une dernière chose. Un roi câlin! Oh. Roi câlin! On a eu notre badge nouveaux amis! Oh. Au revoir tout le monde! On s'est bien amusé, n'est-ce pas, Wawa? Ouf! Comment? On n'a qu'à l'éteindre et le redémarrer. Hein? Je pense que Wawa peut vous aider. Il a son badge camouflage. Wouf! Oui, il s'agit simplement de redonner confiance à Kamel. Wouf, wouf, wouf. Voyez-vous, quand Wawa apprenait à marcher, il trouvait cela assez difficile. Mais un jour, il a simplement appris. En avançant pas à pas. Et en un rien de temps, il galopait partout. Mais je sais déjà marcher, moi. Bien sûr. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est avancer couleur par couleur. En commençant par... Ouf! Choisir une couleur... Wow! Qui correspond à la vôtre. Ah! Ce qui vous rendra plus difficile... à voir. Oh, mais oui, je vois très bien. Et en ajoutant quelques détails... Je peux faire pareil. Quelques déguisements utiles. Et voilà. Avec un peu de savoir-faire. Et d'imagination. Ça y est, la technique me revient. Tu peux te cacher n'importe où. C'est vrai, regardez. Eh bien, dans ce cas, peut-être qu'il est l'heure de refaire une partie de cache-cache. Oui. Wouf, 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 wouf. Wawa arrive, restez bien cachés. Vous voyez, Wawa allait parler, mais il s'est interrompu pour rester silencieux. À votre tour. Tag? Oui? Tu vois ce que Wawa vient de faire, Tag? Oh oui! C'est très bien! À présent, tout le monde essaie. Excellent! Regardez! Wawa vous indique qu'il est content que vous gardiez tous le silence. Pouvez-vous exprimer des choses tout en restant silencieux? Ah, tu montres que tu as froid. Toi, tu montres que tu as chaud. Toi, tu es tout content. Je pense que tu es en train de penser. Et toi, Motus et bouche cousue. Est-ce qu'on est prêt à aller chercher le gloutard? C'est ici que ton arrière-grand-maman a vu le gloutard pour la première fois. On dirait que tout le monde a faim. As-tu apporté ton cake à l'ananas fait maison, Wawa? Mmm.
ça alors? C'est le gloutard. Je crois que quelqu'un d'autre a faim, les petits loups. Pour créer les toutes premières sculptures végétales. Plus tard, ce fut le temps du roi de France, Louis XIV. Il fit de la sculpture végétale un art très à la mode. Louf! Waouh! On peut essayer de sculpter des arbres, Wawa? Ouf! Bien sûr! Wawa a son badge sculpture végétale. Il va vous apprendre. Oui! Écoutez, les petits loups, vous allez tous utiliser des cisailles et il faudra faire très attention. Alors, quelles sont les règles de sécurité à respecter? Toujours tenir les cisailles par la poignée. Très bien, Betty. Garder les cisailles fermées quand on ne les utilise pas? Exact. Les tenir la tête en bas. Bien vu, Tag. Ne pas courir avec! Oui, c'est très important, Rudy. Il faut qu'on mette un casque. Je crois que si on suit bien les autres règles, on n'en aura pas besoin, Youpi. Wouf! Wouf! Alors, on sort ces cisailles et ces arbustes. Vous pouvez commencer doucement avec de tout petits coups de cisailles. Prenez votre temps et vous arriverez peut-être à sculpter une boule aussi jolie que celle de Wawa. Oh, wouf! On ne peut sculpter que des boules, alors? Oh non! Vous pouvez tailler des tas de formes différentes. Ouh! On a fini! Oh! Moi, j'ai taillé un carré! Et moi, j'ai fait un ovale! J'ai taillé un triangle étoile! J'ai fait un octadécagone. C'est une forme qui a 18 côtés. Dis donc, les petits loups ont un talent inné pour la sculpture végétale, Wawa. Ouf! On va sculpter encore plus. Oui! Et comment on en trouve un? Eh bien, Wawa peut vous aider. Il a son badge partenaire. Et il va organiser des rencontres minutes. C'est quoi ça? Tout le monde s'assoit à une table et discute avec la personne assise en face. Ensuite, lorsque Wawa sonne le gong, vous changez de table et discutez avec quelqu'un d'autre jusqu'à ce qu'on trouve notre partenaire. Exactement. Alors, qu'est-ce que tu voudrais savoir sur moi? N'importe quoi. Eh bien, je n'aime pas le bazar. Moi, c'est pareil. Oh, je vois ça. Est-ce que tu aimes danser? C'est pas vraiment mon truc. Vous allez dans l'eau quand vous faites du kayak? Non, c'est le kayak qui va dans l'eau. Toi, tu montes dans le kayak. Alors non merci. Moi je cherche un partenaire pour regarder les oiseaux. Moi j'hésite pas trop m'en approcher. Je suis sûre que tu vas trouver ma passion ridicule. Tu as raison, c'est vrai que c'est ridicule. Moi, j'aime beaucoup faire des expériences. Tu sais que si tu mets du fromage... Je ne pense pas qu'au fromage. On change de table, Wawa. Je cherche un partenaire de kayak. Formidable! C'est quoi un kayak? C'est un petit bateau qui vogue sur l'eau. Superbe! Avec lequel on descend des rivières à toute vitesse. Génial! Ça t'intéresse? Pas du tout! Moi, j'aime la propreté. Vas-y! Moi, je cherche un oiseau! Ah, regardez! Est-ce que tu aimes l'eau? Olf. J'ai trouvé mon partenaire! On a un duo de partenaires, Wawa. Moi, ce que j'aime, c'est l'ordre! Et moi, j'adore les ananas! Suivant! Oui, nous ne sommes plus très loin maintenant. Oh! On va au parc d'attractions? Ouf! On va ici? Ouf! Ici? Ouf! Ici? Ouf! Ici? Ouf! Ici? Ouf! Ici, Wawa? Ici? Non, nous allons de l'autre côté de ce tunnel. Arrivé? Oh, wow. Eh
bien, Wawa. Tu disais que nous allions dans un endroit... exceptionnel. Oui, c'est le coin à pique-nique exceptionnel de Wawa. Ah bon? Bien, je reconnais que ce coin est assez pittoresque. Des sandwichs à la confiture maison, Wawa. Un délice. Oui, c'est vrai qu'ils sont délicieux. C'est normal, Wawa est le roi des sandwichs. Le jus de myrtille est excellent lui aussi. On va aux toilettes. On va aux toilettes. Ne te mouille pas trop, d'accord, Youpi? Viens dans l'eau, maman. Ça va te faire du bien aux pieds. Ne te balance pas trop haut, Nini. Betty, est-ce que ce sont... des oiseaux au bec coloré qui font du beatbox? Je n'en avais jamais vu de mes propres yeux. Quel coin super! Je te l'avais dit, maman. Oh oui! Ça fait vraiment du bien aux pieds. Vous ne trouvez pas? C'est vrai, pas mal du tout comme coin. C'est très amusant. Plus vite! Oh, Wawa, quelle merveilleuse sortie accompagnée. Ouf, 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 ouf. Et les poules aussi. Oh. Et les lapins. Et les vaches. Et les moutons. Et Pic-Pic. Et Lef. Et Rosie. Et Miam Miam. Et moi. Petite bête. Tino. Vers de terre. Canard. Les fourmis. La hyène. Le taureau. Je crois qu'on a réuni tout le monde, Wawa. On n'aurait pas oublié quelqu'un? Normalement, je devrais être au centre de la photo. Cette composition est affreuse. Ce que tu es élégant, notre bête. Ouf, ouf. Ouf. Oui, Speedy. Mais toi, tu ne vas pas être sur la photo, Wawa. Ouf. L'appareil de Wawa a un retardateur qui tourne quelques secondes avant de prendre la photo. Ce qui donne à Wawa le temps de vous rejoindre. Oh, d'accord. Tu es prêt, Wawa? Hein? Tu devrais reculer un petit peu. Il manque quelqu'un sur la photo, j'en suis sûre. Oui. Recule encore, encore un petit peu, encore, 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 encore. Ouais, parfait, Wawa. Oh, ouf. Oh, tu ferais mieux de te dépêcher, Wawa. Ouf. Plus vite, Wawa. Dépêche-toi. On n'en peut plus d'attendre comme ça. Ouvrez grand les yeux pour trouver la feuille arc-en-ciel, les petits loups. Feuille arc-en-ciel! Hein? Vous permettez? Désolé. Ce n'est pas la bonne feuille. Je l'ai trouvée. C'est bien la feuille arc-en-ciel? Ouf, ouf. Oh. Ouf. C'est une feuille tigrée. Oh. Ça reste une très jolie feuille. Venez, on continue de chercher. Oui. Et ça, c'est une feuille arc-en-ciel, Wawa? Oh, waf! Non, c'est une feuille palmée, la plus grande que je n'ai jamais vue. Je ne crois pas qu'elle rentrera dans ton livre de la nature, Wawa. Oh, waf! Toujours aucun signe de la feuille arc-en-ciel? Waf! Oh, une feuille arc-en-ciel! Attrapons-la!
Où elle est passée? Elle doit bien être quelque part... par là. Il s'est mis à faire tout noir. Qu'est-ce que c'était? Peut-être que c'était un monstre. Ah, wouf. Wawa, raison les petits loups. Les monstres, ça n'existe pas. Un monstre. Oh, wouf. Ce n'est qu'un gros tas de feuilles. Ce n'est pas un... Je vous ai trouvé. On ne peut voir un arc-en-ciel que quand il fait soleil et qu'il pleut en même temps, ou alors quand on tourne le tuyau d'arrosage vers le ciel. Alors mon papa a dit... Oust. Il a dit que c'était un match nul. Plouf, plouf, plouf. Ma maman a dit qu'on ne pouvait pas le mettre sur sa tête. Alors je l'ai enlevé de mon armoire. Mon cousin s'appelle Eric. C'est un alligator. Et il est plus âgé que moi. Mais moi je suis un peu plus grand que lui. Il est très drôle. Un jour, on est partis en vacances tous ensemble pour faire une compétition de saut de flaque. Mais quand on est arrivé, il n'y avait pas de flaque. Oh! Wawa, regarde! Nos plantes ont poussé! Oui! Waouh! On a tous réussi. Waouh! Ne t'inquiète pas, Youpi. Tu peux manger un peu de mon oignon. Je n'aime pas les oignons. Hein? Waouh! Ça, c'est... une énorme fraise. Elle est gigantesque. Oui! C'est l'heure de se lever. Ah, c'est le badge piscine gonflable, Wawa. Ils l'obtiendront en s'amusant dans la piscine et en faisant très attention. C'est parti, tout le monde, un par un. N'oubliez pas, on ne court pas autour de la piscine. Pas d'acrobatie. Interdiction de manger. Interdiction de plonger. Interdiction d'éclabousser. Non, on ne pousse pas. Interdiction de... Bon, d'accord. Tout le monde s'est bien rafraîchi? Et si on montrait à Wawa toutes les choses qu'on a trouvées? Oui! Tag, tu as trouvé une balle. Elle rebondit très haut. Betty, tu as trouvé un livre qui te passionne. Oui, il est intéressant. Et Youpi nous a apporté un verre... de l'eau. Bon, eh bien, il nous a apporté un verre. Rolly a trouvé un... Roger. Hein? Oui, un rocher. Wow. Et maintenant, Nini tient dans sa main quelque chose de très intéressant. Oui. Je ne suis pas intéressante.
Je vais te dire ce qui est intéressant chez toi, Coccinelle. Quoi? Tes pois. Oui, c'est vrai, Nini. Les coccinelles ont de très jolis pois sur le dos. Wouf! Tu as 6 jolis pois sur ton dos, Coccinelle. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Tu as 6 pois sur ton dos et nous, on a trouvé 6 choses. Ouh. Les petits loups, pois arrive, que vous soyez cachés ou non. Ouf, ouf. Tu m'as trouvé. Tu as trouvé tout le monde, Wawa? Ouf, 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 ouf. Qui donc manque à l'appel? Ouf, ouf. Ah, Rouli, mais bien sûr. Waouh, il a trouvé une très bonne cachette. Venez, on va le chercher. Oui. Vous êtes toujours à la recherche de Rouli? Oui. Rouli! Ah, il dort. Le monstre vert ne bat pas en retraite, madame. Dans ce cas, il ne nous reste plus qu'à espérer un miracle. Puis-je faire une suggestion, mon général? Oui, allez-y, professeur, parce que nous n'avons plus aucune idée. Regarde, Wawa, j'ai trouvé une super flaque d'eau pour jouer. Wouf? Tu sais, ce n'est pas une bonne idée de rester dans cette flaque, Youpi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Eh bien, Wawa peut en parler, parce qu'il a son badge flaque d'eau. Ouf, ouf, ouf. Voyez-vous, une flaque d'eau contient bien plus de choses que ce que vous croyez. Quand une nouvelle flaque se forme, elle est propre et vous pouvez jouer dedans. Mais au fil des jours, des algues se forment dessus. Des algues? C'est quoi ça? C'est une espèce de plante aquatique qui peut donner une mauvaise odeur à une flaque d'eau. Oui. Ouf. Mais ces algues attirent également des tas de toutes petites créatures. Comme moi? Non, beaucoup, beaucoup plus petites que toi, Youpi. Est-ce qu'elles sont invisibles? Non, mais elles sont difficiles à voir. Ouh. Ayant consacré ma vie entière à la recherche scientifique, je peux affirmer avec certitude qu'il faut communiquer avec cet extraterrestre au lieu de le combattre. Nous devons lui montrer de l'amour, pas de la haine. Pilote, cette idée est tellement folle qu'elle pourrait bien fonctionner. Alors on tente le coup. J'espère que cette scientifique folle et excentrique a raison. Les moucherons du monde entier comptent sur vous, pilote. Et on y va. Wow. Tu arrives à les voir, Youpi? Il vous reste juste le temps pour une dernière chose. Un wakalin. Oh. Wakalin.